بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie de sourate Abasa. La dernière fois nous avions parlé de la première partie dans laquelle Allah Azza wa Jal réprimanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'être renfrogné et détourné de Abdullah ibn Ummi Maktoum, et d'avoir donné la priorité dans la discussion avec certains notables de Quraysh. Ensuite, donc, Allah Azza wa Jalla aborde une deuxième partie de cette sourate dans laquelle il va vanter le mérite du Coran en tant qu'un rappel. Et c'est là où Allah Azza wa Jalla va dire dans le verset 11 et 12, Kalla innaha tadhkira faman sha'a dhakara. Non, vraiment ceci est un rappel. Qui veut donc son rappel? Vraiment, ceci est un rappel. Qui veut donc son rappel? Bien entendu, la traduction ne reflète pas exactement le sens du verset. D'abord, alors, Kalla, ça, comme vous le savez, c'est un adverbe de réprimande. On a dit harfu rad'in wa zajr. Toujours, donc, Allah Azza wa Jalla le dit pour remettre en cause quelque chose qui a été dit ou quelque chose qui a été fait. Kalla. Et comme souvent on l'a dit, ce terme-là, on ne le trouve que dans le Coran mécois. On ne le trouve pas dans le Coran médinois, et on le trouve toujours dans la dernière partie de le Coran, le Mushaf, à savoir le Mufassal. On ne le trouve pas dans les autres parties de le Coran. Alors, la première remarque, c'est Allah Azza wa Jalla dit qu'Alla innaha. Alors, innaha. Là, c'est un pronom. Le ha, c'est un pronom qui fait référence à quelque chose de féminin. إنها تذكرة فمن شاء ذكره ذكره et le ha à la fin de ذكره là c'est un pronom qui fait référence à un masculin. Donc on peut se demander qui est-ce qui est féminin ici. Premier, إنها تذكرة, ceci est un rappel en faisant référence à quelque chose de féminin. فمن شاء, qui veut donc, ذكره. Donc celui qui veut qu'il se rappelle de quoi? Qu'il se rappelle de quelque chose qui est masculin. Alors ça, c'est ce qui a fait que les savants, vu qu'il y a un féminin et un masculin dans les deux versets, c'est ce qui a fait que les savants ont divergé sur l'explication de ce verset. Kalla innaha. Pour certains savants, ils disent innaha, ce pronom-là revient au verset. Et les versets en arabe, c'est al-ayat. Et al-ayat, c'est féminin. Kalla inna hadhihi al-ayati. Tadhkira, ces versets que je t'ai révélés sont un rappel pour toi. Donc ça, c'est la première explication qui a été donnée. La deuxième explication, kalla innaha tadhkira, fait référence au Coran lui-même. Parce que le Coran lui-même est une tadhkira. Le Coran lui-même est un rappel. Et on peut le dire dans le féminin. Puisque on trouve, par exemple, dans surat al-Muddathir, Allah Azza wa Jalla dit kalla innahu, donc là ça fait référence à un masculin, qui est le Coran, le Coran. Kalla innahu tadhkira. Et le terme tadhkira, c'est féminin. D'accord? Donc il a attribué un terme qui est féminin, kalla innahu tadhkira, pour le Coran. Donc lorsque Allah a dit kalla innaha tadhkira, ceci fait référence au Coran, selon cette deuxième avis. Et ceci, bien entendu, est correct. Ça veut dire quoi qu'il est tadhkira? Ça veut dire que le rappel que je t'ai fait concernant la manière avec laquelle il faut se comporter avec les indigents croyants, avec les faibles croyants, ce rappel-là, tu le trouveras dans ce Coran-là. Et d'ailleurs, on le sait qu'il y a plusieurs autres versets, plusieurs sourates, plusieurs versets qui parlent justement de ce sujet. On a cité, la dernière fois, une partie de sourate Al-Kahf, « وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي » Vous allez me dire, oui, mais cette sourate a été révélé après cette sourate-là, mais le Coran, bien entendu, était déjà
était déjà présent, il était déjà descendu au premier ciel, il était déjà complet avant même de commencer à être révélé partie par partie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kalla innaha tadhkira, faman sha'a dhakara. Donc celui qui le souhaite, qu'il se rappelle en utilisant ce Coran-là. Il n'a qu'à le lire ou bien qu'à l'écouter et il va se rappeler, il va prendre des exhortations et des leçons qui vont lui éclairer son chemin. Kalla innaha tadhkira faman sha'a dhakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara. Cette tadhkira, ou bien ce rappel-là, est consigné dans des feuilles honorées, fi suhufin mukarrama marfu'a, donc ces feuilles sont élevées, mutahhara, elles sont purifiées. Là aussi, les savants, chacun a donné une explication, et ça il faut le comprendre, c'est que comme on le dit souvent, c'est Allah Azza wa Jal qui nous parle à travers le Coran. Et Allah Azza wa Jal, il choisit parfois des termes d'une manière exprès et il occulte parfois certains détails exprès pour que l'on puisse trouver plusieurs significations pour la même phrase ou pour le même verset. Et ceci ne pose absolument pas de problème. Que l'on ne dise pas que le Coran se contredit ou qu'il n'est pas clair. Non. Vous pouvez trouver deux, trois explications et qui se valent toutes. Ils se valent toutes. Et pour être confirmé, il n'y a qu'à revoir d'autres versets à d'autres endroits qui vont confirmer le choix pour lequel on a opté. Alors, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahhara, pour certains, ils disent que suhuf ici, ça fait référence à la tablette protégée, à lawh al-mahfouz, qui est au-dessus du 7e ciel, dans lequel Allah Azza wa Jalla a consigné le Coran, il a consigné tout ce qui va se passer dans ce monde. Donc ce Coran-là est déjà protégé là-bas. Et donc là, cette signification, bien entendu, concorde avec le verset Mukarrama, parce que ces feuillets sont honorés. Même s'il parle de feuillets, alors que là-bas, il parle d'une tablette, mais en arabe, on peut parler de feuillets pour faire référence à un kitab. On peut parler de feuillets pour faire référence à un kitab. Donc, de feuillets pour faire référence à une tablette. Lawh. Mukarrama, il est honoré parce que c'est Allah Azza wa Jal qui y a consigné tout ce qui va se passer, il y a consigné le Coran. Marfu'a, elle est élevée. Ou mutahhara, elle est purifiée. Et ceci, on le retrouve dans une autre sourate, la sourate Innahu la Qur'anun Karim fi kitabin. Maknoun, surat al-Waqi'a, innahu la Qur'anun Karim, ceci est un Coran Karim, donc qui est honoré, fi kitabin maknoun, bien gardé dans une tablette, dans un livre bien gardé, fi kitabin maknoun, donc dans un livre bien gardé, la yamassuhu illa al-mutahharun, que seuls les purifiés touchent. Les purifiés ici, ça fait référence aux anges. Et ceci, ça répond à certains négateurs de l'époque qui disaient « Tanazzalu bihi shayatin ». Ce Coran, ce sont les shayatins qui le ramènent, qui descendent avec. Et là, Allah Azza wa Jal réfute cette parole-là en leur disant « Non, il n'y a que les purifiés qui peuvent le toucher, autrement dit, les anges. » Donc, il est bien protégé dans cette tablette. Ça, c'est la première explication. Pour d'autres savants, ils disent, lorsque Allah Azza wa Jal a dit « Suhuf il mukarrama », il parle bel et bien de « Suhuf » dans laquelle on a écrit le Coran, dans lesquels les compagnons ont écrit le Coran. Ça veut dire les supports sur lesquels on écrivait le Coran, notamment à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc parfois on écrivait sur les peaux de chamois, ou bien les peaux de certains animaux, on écrivait sur des tablettes en bois, on écrivait sur des branches de palmiers, on écrivait sur des parties de certains os qui sont un petit peu larges. Donc tous ces supports-là, c'est ça as-suhuf al-mukarrama. Pourquoi il est mukarrama, il est honorifié? On dit toujours karamu al-hamil fi karamil mahmoul. L'honorification du porteur, c'est dans l'honorification de ce qu'il porte. D'accord? Lorsque tu portes quelque chose qui est honorable, tu deviens honorable. Lorsque tu portes quelque chose qui est honorable, tu deviens par conséquence honorable. Et ton honorabilité, tu la détiens d'où? De la chose qui a de la valeur que tu portes. Et bien entendu, les choses qui sont précieuses, on les met dans des supports qui sont précieux. Tu ne vas pas prendre une perle et la cacher dans une boîte faite n'importe comment. Forcément, même la boîte, elle détient de la valeur parce qu'elle porte ce bijou-là.
Donc ces feuilles sont élevées dans leur valeur et purifiées moralement, sont purifiées et physiquement aussi, puisque le Coran, on ne doit pas le toucher lorsqu'on est touché par une souillure ou bien lorsqu'on n'a pas ces grandes ablutions. La troisième signification, c'est que fi suhuf mukarrama, Allah Azza wa Jalla parle ici de suhuf qui ont précédé le Coran. C'est pour lui dire que ce rappel-là, je l'ai déjà révélé à tous ceux qui t'ont précédé, à tous les messagers qui t'ont précédé, et je l'ai consigné dans les suhuf que je leur ai donné. Allah Azza wa Jalla dans sourate Al-A'la, il dit, on a déjà vu ça, inna hadha lafi suhufi al-oula, suhufi Ibrahim wa Moussa. Ce conseil-là, ou ces conseils-là, sont dans les premiers feuillets, les feuillets de Ibrahim et de Moussa. Donc ici, ça peut faire signifier ceci. Ce rappel-là se trouve dans des feuillets, les feuillets anciens, ainsi que dans ce Coran. Ensuite, on passe au verset 15 et 16. Bi-aidi safara kiramin barara. Alors, safara, c'est un pluriel. Safara, c'est le pluriel. Et ça peut être le pluriel de deux termes. Soit c'est le pluriel de safir. Ça, c'est le premier terme. Safir, safara. Ou bien c'est le pluriel de safir. As-safir, ça vient de sifr. As-sifr, avec sin. Et sifr, c'est le livre. Et safir, c'est celui qui écrit. C'est le scribe. Donc ici, la signification, automatiquement, on peut dire que bi-aidi safara, dans les mains de certains scribes qui écrivent ce Coran-là, ou qui écrivent ce rappel-là. Donc ça, c'est, si on considère que as-safara, c'est le pluriel de safir. Ensuite, on a dit que ça peut être le pluriel de safir. Et safir, ça veut dire l'ambassadeur. Aujourd'hui, lorsqu'on dit l'ambassadeur de tel pays, on dit safir ou hada al-balad. Et safir, c'est celui qui fait le lien entre un expéditeur et un destinataire à travers, justement, des messages écrits. Donc, il prend le message dans sa main et il le ramène à sa destination. Il est safir, il est l'intermédiaire entre ces deux personnes. Et c'est pour cela, justement, que les savants ont divergé aussi. Lorsque je dis divergé, ils ont multiplié la signification de ces deux versets. Ainsi, par exemple, Wahb ibn Munabbih, rahimahullah, dit, il s'agit ici des compagnons du prophète. Là, je fais référence aux compagnons du prophète qui inscrivaient le Coran. Ça veut dire les scribes. Kutabu al-Wahi. Et nous savons très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plus d'une dizaine de scribes. Et à chaque fois qu'il reçoit le Coran de la part de Jibril alayhi salam, il faisait appel à certains de ses scribes ou à tous. Et il leur dit, voilà ce que je viens de recevoir, inscrivez-le. Et donc tout de suite, avant que ça ne soit oublié, donc les scribes inscrivaient et écrivaient donc tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dicté. Donc ici, Allah azza wa jal, selon cette signification, il est en train de vanter le mérite des scribes qui inscrivent le Coran. D'accord ? Et ce sont quelque part des ambassadeurs. Pourquoi ils sont des ambassadeurs ? Même s'ils sont des écrivains, mais ils sont en même temps des ambassadeurs. Parce que c'est eux qui vont transmettre ce Coran à d'autres personnes. Ils vont l'inscrire et ensuite le transmettre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama » Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Donc lorsque tu l'enseignes, tu deviens comme un ambassadeur qui transmet la parole d'Allah Azza wa Jal aux gens. Donc ce verset-là peut parler justement des scribes, des êtres humains qui sont scribes. Ça c'est le premier avis de Wahb ibn Munabbih. Il y a un deuxième avis de Qatada, rahimahullah, qui dit « Ce sont en fait les lecteurs, al-Qurra, les lecteurs du Coran. » Ça veut dire, lorsqu'on parle de lecteurs, al-Qurra, ça veut dire ceux qui ont appris par cœur le Coran. Donc, c'est à ceux-là que Allah Azza wa Jalla fait référence. Ce sont des ambassadeurs, pareil, entre Dieu et les êtres humains. Le troisième avis a été donné par Ibn Abbas, radiallahu anhuma, ainsi que la majorité des exégètes, qui disent qu'ici, Allah Azza wa Jalla fait référence aux anges. Bi-aidi safara, kiramin, barara, ici, il fait référence aux anges, et non pas à des êtres humains. Alors, qui est-ce qui soutient cet avis-là? C'est l'avis le plus probant. D'abord, ce qu'il soutient, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des gens qui lisent très bien le Coran, qui apprennent le Coran et qui le lisent très bien. Il a dit à leur propos, « Alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as-safarati al-kirami al-barara. » Celui qui lit le Coran
et qui excelle dans sa lecture ou dans sa mémorisation, il sera avec As-Safara, Al-Kiram, Al-Barara. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait référence aux anges. Pourquoi on dit qu'il fait référence aux anges? Et ça, c'est le deuxième argument qui appuie le troisième choix. Rappelez-vous, on a dit que Al-Barara, c'est un pluriel aussi. Hein? Al-Barara, et c'est un pluriel. Mais il y a deux types de pluriel. C'est le pluriel de l'bar. Barrun, ça c'est le singulier. Bararatun, ça c'est le pluriel. Mais il y a un deuxième pluriel, c'est Al-Abrar. Et le Coran, ils utilisent le barara et ils utilisent Al-Abrar. Mais rappelez-vous, on a dit que Al-Abrar, Inna Al-Abrara la fi na'im. Là, il parle aux êtres, il parle des êtres humains. En revanche, lorsqu'il parle de l'barara, c'est pour faire la distinction. Là, ce ne sont pas les êtres humains, c'est plutôt les anges. Pourquoi? Parce que l'barara, hada jam'u kathara, c'est le pluriel d'une abondance, l'barara. Et les anges, leur nombre, il est incommensurable, leur nombre est illimité. Donc c'est un pluriel d'abondance. Lorsqu'il dit l'abrar, donc là c'est plus les êtres humains, et les anges, comme ils sont plus nombreux que l'abrar, donc l'barara, ça fait référence aux anges. Et donc c'est pour cela que c'est l'avis majoritaire et l'avis le plus probant. Lorsqu'il dit bi-aidi safara, donc on a compris ce que c'est que safara, kiram, barara. Barara, ça veut dire qu'il obéisse à Allah Azza wa Jalla, ça on l'a déjà vu. Mais lorsqu'il dit bi-aidi, donc là on peut l'apprendre dans le sens métaphorique. Pour ceux qui disent ce sont les anges, donc il parle du sens métaphorique, entre les mains des anges, ça veut dire il est protégé par les anges. D'accord? Lorsque tu dis hada bi-aidi, ça veut dire il est sous ma protection. Mais pour ceux qui ont opté pour la vie majoritaire, à savoir qu'il s'agit s'il s'agit des anges, donc c'est la forme métaphorique, ça veut dire bi-aidi, comme j'ai dit que safir, l'ambassadeur, c'est toujours celui qui prend dans sa main, ja'ana safirun bi-kitab, un ambassadeur est venu avec une lettre de la part de son expéditeur, de celui qui l'a envoyé. Donc là, cette forme-là, métaphorique, a été reprise dans ce verset-là. Donc, c'est comme si les anges ont pris ce Coran-là et il est protégé par eux et ils le transmettent aux êtres humains. Ou ils le transmettent. Et Safir ici, c'est Jibril alayhi salam. Le meilleur parmi eux, c'est Jibril alayhi salam qui a descendu ce Coran. Et pour les autres, ceux qui ont donné l'autre explication, donc il dit Bi-Aidi Safaratin Kiram Bara, lorsqu'ils disent que ce sont les scribes, donc il est entre les mains des scribes, ça on le comprend. Mais lorsqu'on parle de ceux qui le mémorisent, pareil, pour le mémoriser, forcément, il faut avoir une lecture. On l'inscrivait sur des tablettes et on l'apprenait, ou bien sur aujourd'hui, c'est de l'impression, on l'imprime et on l'apprend. Donc, il est entre les mains pour apprendre, donc il faut tenir quelque chose entre les mains. Donc, ça peut être compris donc dans le sens métaphorique ou bien dans le sens réel. Ensuite, Allah Azza wa Jalla, donc là, il a vanté le mérite de ce livre et de Tadhkira qui est dedans, du rappel qui est dedans. Maintenant, il passe à une troisième partie de cette sourate. Qutil al-insanu ma akfara. Que périsse l'homme, qu'il est ingrat. Qutil al-insanu ma akfara. Donc, après avoir réprimandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'erreur qu'il a commise. Ensuite, après avoir parlé du mérite de cette tadhkira, de ce rappel, qui se trouve dans les feuillets protégés, élevés, qui sont entre les mains de l'Kiram al-Barara. Là, Allah Azza wa Jalla va se parler maintenant à ses négateurs, notamment ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait. D'accord? Ces négateurs-là, donc là, il va s'adresser à eux. Parce que Allah Azza wa Jalla a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas la peine de perdre ton temps avec ces gens comme ça. Tu leur as déjà donné, tu les as déjà avertis pendant des années, ils n'ont pas voulu entendre. Donc ne perds pas ton temps avec eux. Occupe-toi plutôt des croyants qui sont à tes côtés, même s'ils sont faibles. Donc maintenant, laisse-moi, je vais m'adresser directement à eux. Qutil al-insanu ma akfara. Donc cette phrase-là s'adresse plutôt à eux ou à ceux qui leur ressemblent. Et qutil al-insan, ça c'est une expression qui est utilisée chez les Arabes. Lorsque tu dis qutil al-insan, qutil, ça veut dire qu'il soit tué. Et comment on l'utilise comme en tant que dua, en tant que supplication. D'accord? C'est comme si on demande à Allah Azza wa Jal de périr, de faire périr cette personne-là. Donc c'est ça la signification. Ou bien on demande à Allah Azza wa Jal de faire tomber sa malédiction sur cette personne-là.
Dans les deux cas, en tout cas, c'est une supplication qui est grave. Lorsqu'on dit à quelqu'un « Qutila Fulan », c'est qu'il a commis quelque chose de gravissime pour qu'on se permette de lui dire « Qutila Fulan », de s'adresser à lui avec cette expression. Dans le Coran, on trouve une autre expression qui est très proche de « Qutila », c'est « Qatala ». « Qatalahumullahu anna yu'fakun ». Et « Qatalahu »,« Qatalahullah », ça se dit dans un contexte d'étonnement. Lorsque quelqu'un fait quelque chose d'étonnant, qui n'est pas à laquelle on ne s'attend pas, il dit « Qatalahullah, Qatalahumullah anna yu'fakun ». Pourquoi ils ont fait cela? C'est étonnant leur affaire. Donc c'est ça, il faut faire cette nuance-là entre « Qatalahumullah » ou bien « Qatalahullah » et « Qutila al-insan ». Qutila, donc c'est une supplication donc, qui montre qu'on est dans la gravité, c'est une menace, on souhaite la malédiction à cette personne-là. Et « Qatalahullah », on est plus dans l'étonnement de ce que la personne a fait. Qutila al-insanu ma akfara. Là aussi, ma, ça aussi, ça c'est un terme qui signifie l'étonnement. Ma, a dit l'ta'ajjub. Ma akbara fulan. Ma atwala fulan. Ma akfara al-insan. Qu'il est ingrat. Donc Allah Azza wa Jal ici montre un étonnement par rapport à l'ingratitude de l'être humain. Quelle ingratitude? On peut la comprendre de deux manières. L'ingratitude au niveau qualitatif ou au niveau quantitatif. Au niveau quantitatif, ça veut dire cet être humain. La majorité de ces individus, la majorité des êtres humains sont des ingrats. Et la réalité le confirme. La majorité de ceux qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal, ceux qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal sont la majorité. Ceux qui croient, ils sont une minorité. Et plus la croyance monte, plus on tombe dans la minorité. Donc là, c'est ma akfara, ça veut dire la majorité des êtres humains sont des ingrats. Et l'ingratitude ici, ça veut dire le kofr, c'est-à-dire la mécréance en Allah et la négation de son message, ou la négation de la résurrection, ou la négation de la reddition des comptes, et ainsi de suite. On rejette tout. Donc ça, c'est au niveau quantitatif. Ou bien au niveau qualitatif, c'est de dire ma akfara, ça veut dire quel que soit l'être humain, il a une part d'ingratitude, quel qu'il soit. Même s'il a de la foi, il a une part d'ingratitude. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivera jamais à être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal comme il se doit. Quoi qu'il fasse, jamais il n'arrivera à être reconnaissant à la hauteur du bienfait de Allah Azza wa Jal et du bienfait qu'Allah Azza wa Jal lui a octroyé. Donc cette ingratitude, quelque part, il est intrinsèque à l'être humain. Parce qu'il est toujours perturbé par d'autres choses, par d'autres priorités, par la vie, par le travail, par l'argent, par les enfants et tout ça. Donc il y a toujours des moments dans sa vie où il va avoir un peu d'oubli, où il va s'écarter un peu du devoir de la reconnaissance. Et c'est pour cela que c'est-à-dire cette ingratitude, elle colle à lui pendant toute sa vie. Ce verset-là, certains savants le considèrent comme faisant partie des versets qui sont limités dans le nombre de mots, mais qui sont immenses au niveau de leur signification. Ce qu'on appelle « jawami' al-kalim ». Il y a des phrases qui rassemblent beaucoup de sens. Et ils considèrent que ce verset-là en fait partie. « Qutila l'insanu ma akfara ». Quatre mots qui veulent dire beaucoup de choses. Dans cette phrase-là, déjà, comme on a dit, on trouve l'étonnement. On trouve l'étonnement. On trouve la réprimande. Parce qu'Allah Azza wa Jal ici, on veut à ces gens-là justement qui manifestent de l'ingratitude. On trouve de la réprimande. On trouve une supplication de malédiction contre ces gens-là. Et on trouve aussi une menace. C'est pour ça que lorsqu'on dit Qutila al-insan, ça c'est une menace en même temps. Lorsque tu invoques Allah Azza wa Jal et tu lui supplies pour qu'il fasse tomber sa malédiction sur eux, c'est une menace. D'autant plus que c'est lui qui sollicite cette malédiction. Qutila al-insan. Le fi'l mabni lil majhoul. Le sujet c'est qui? C'est Allah Azza wa Jal. C'est lui qui va faire périr ce personnage. Donc vous voyez, en quatre mots, il y a plusieurs sens. Ce verset-là regorge de sens en très peu de mots. Qutila al-insanu ma akbara. Min ayyi shay'in khalaqa? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. De quoi l'a-t-il créé? D'une goutte de sperme, il l'a créé et déterminé, et il a déterminé son destin.
Alors, dans la traduction que vous trouvez, c'est écrit dans le présent. En arabe, c'est écrit dans le passé. Min ayi shay'in khalaqa. De quoi l'a-t-il créé? Min nutfatin khalaqahu. Donc, c'est à partir d'une goutte de sperme qu'il l'a créé. Faqaddarahu. Donc, il a déterminé son destin. Dans les traductions, vous trouvez, il le crée, d'une autre fois, il le crée et il lui détermine son destin. Donc, peu importe qu'on le fasse au passé ou au présent, en tout cas, dans le verset en arabe, il est au passé. Ici, Allah Azzawajal pose une question. Min ayi shay'in khalaqa. Mais en même temps, il donne tout de suite la réponse. Min nutfatin khalaqa. Dans le Coran, parfois, Allah Azzawajal pose des questions et il ne répond pas. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle les interrogations rhétoriques. Parce que la réponse est évidente. Il n'y a pas besoin de la dire. Et ça, on le trouve souvent dans le Coran. On est déjà passé par des passages comme ça. Mais parfois, Allah Azza wa Jalla, il pose la question et il répond tout de suite, comme ici. Min ayi shay'in khalaqa, min nutfatin khalaqa. Comme lorsque Allah Azza wa Jalla dit, amma yatasa'alun anin naba'i al-'azim. Tout de suite, il donne la réponse. Amma yatasa'alun anin naba'i al-'azim. Donc ici, il donne la question, il donne la réponse. Autrement dit, il n'attend pas de nous la réponse. Lorsqu'il ne donne pas la réponse, c'est qu'il attend que nous-mêmes, on la déduit. Mais lorsqu'il donne lui-même la réponse, ça veut dire que j'attends pas de vous la réponse, mais j'attends d'attirer votre attention sur un détail qui est dans cette réponse, dans cette question et dans cette réponse. Donc là, c'est un style rhétorique qui a une importance. C'est ce que les al-Balagha appellent al-istifhamu as-suri. C'est l'interrogation fictive. C'est une interrogation fictive parce que la réponse, elle vient tout de suite après. Donc le but, en fait, c'est de dire min ayi shay'in khalaqa, c'est d'attirer l'attention de celui, de cet être humain, quand il est l'insan. Donc il parle de l'insan d'une manière générale. Et comme on a dit, l'insan, ça peut vouloir dire seulement les négateurs, comme ça peut vouloir dire tout le monde. Parce qu'il a une part d'ingratitude. D'accord ? Mais si on veut dire seulement le négateur, ça c'est lafdhun ammun urida bihi khas, l'khas. C'est un terme général, mais par lequel Allah Azza wa Jal vise une catégorie seulement de personnes. Et ça, on le trouve souvent dans le Coran. Lorsqu'on dit nas, par exemple, dans le Coran, ça fait référence souvent à l'khas. Idha ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita nasa yadkhuluna. Nas, c'est pas le monde entier, c'est seulement les gens de la péninsule arabique. Alladhina qala lahumun nas. C'était une personne en fait. Inna nasa qad jama'u lakum. Nas, le deuxième nas cité dans ce verset-là, c'est les gens de Quraysh. Donc, lafdhun 'am yuradu bihi al-khas. C'est le cas aussi de l'insan. Pour l'explication qui dit que ce sont les négateurs. Mais pour ceux qui disent non, c'est l'être humain d'une manière générale qui a toujours une gratitude. Donc, dans ce cas, c'est lafdhun 'am urida bihi al-'am. Donc, Allah Azza wa Jalla, donc ici, il attire donc justement l'attention et la curiosité de ceux qui sont des négateurs pour leur dire de quoi vous êtes créés. Vous avez été créés d'une autre fois. Alors d'une manière, il est en train de montrer le caractère de l'origine de l'être humain. Une autre fois qui n'a pas de valeur, hein, qui sort par un orifice par lequel on sort notre souillure. Donc, tu es quoi? Tu n'as pas de quoi être orgueilleux. Ça, c'est la première signification. Mais ici, la signification qui est le plus valide, c'est qu'il est en train de lui dire, rappelle-toi d'où est-ce que tu es venu. Tu es venu à partir d'une autre fois, une goutte de sperme. Et regarde comment tu as évolué jusqu'à ce que tu es devenu ce que tu es. Un être humain complet qui réfléchit, qui agit et qui peut même nier l'existence de son créateur, qui l'a fait passer par tous ces stades-là. Donc c'est comme s'il lui dit, de la même manière que je t'ai créé à partir d'une autre fois, et regarde comment elle a évolué pour qu'elle devienne ce que tu es, je peux te ressusciter à partir d'un autre élément qui est les ossements de ton corps après ta mort, ou bien ce qu'il en reste. Même si ça s'émiette, même si on dit on brûle la personne, vous voyez, lorsqu'on incinère une personne, il reste toujours quelque chose. Donc celui qui était capable de créer l'être humain à partir de deux cellules est capable de le recréer, de le ressusciter à partir de ce qui reste de son corps. Donc c'est tout à fait logique. Et les cellules au départ n'avaient pas de vie, elles ne parlaient pas, elles ne marchaient pas. Voilà, c'est un être inanimé quelque part.
L'animation, bien vous allez me dire, oui, mais le spermatozoïde, il bouge, et ainsi de suite. Mais c'est pas comme un être qui décide où il va, il est d'une manière déterminée, ainsi de suite. Là, c'est la création de Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci, on le trouve lorsque, souvent dans le Coran. وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. Celui qui n'a pas, qui a créé les cieux et la terre, n'est-il pas capable de créer pareil qu'elle? Ça, c'est lorsqu'il parle de la création d'autres structures beaucoup plus grandes. Mais de l'être humain, la résurrection, Allah Azza wa Jalla dit par exemple: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. À quoi avons-nous été fatigués par la première création? Est-ce que votre création a fatigué Allah Azza wa Jalla? Donc, avons-nous été fatigués par la première création? Mais ils sont dans la confusion au sujet d'une nouvelle création. Donc là, c'est pour attirer leur... Min ayi shay'in khalaqa, min nutfa khalaqa wa qaddara. Qaddarahu, et d'ailleurs, on retrouve ça avant de venir à qaddarahu, Allah Azza wa Jalla lui dit par exemple, on a déjà vu ça, falyanzur al-insanu mimma khuliqa, khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni as-sulbi. Et on a déjà vu ça auparavant. فلينظر قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه خلقه من نطفة خلقه فقدر. هذا الادverbe ف c'est un adverbe qui montre la succession temporelle. Ceci suite auquel il y a eu cela et d'une manière rapide. C'est ce qui le distingue de ثم. Thumma, ça veut dire que la succession se fait d'une manière progressive. Lorsqu'on utilise fa, la succession temporelle se fait d'une manière rapide. Mais le fa ici, c'est ce qu'on appelle fa'ut tafri'. Les savants de l'Balara, ils disent hada fa'ut tafri'. C'est l'adverbe de la ramification. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. À partir de cette création-là, il a déterminé son chemin. Il a déterminé son développement, il a déterminé son évolution sur sa terre. C'est comme lorsque Allah Azza wa Jalla dit wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Il a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Autrement dit, Allah Azza wa Jalla lui dit, lorsque tu étais encore une nutfa, Allah Azza wa Jalla a déjà déterminé quel sera le développement de cette nutfa pour qu'elle devienne ce que tu es. Tout a été programmé depuis le départ. Ce développement ne s'est pas fait d'une manière hasardeuse, mais c'est d'une manière qui était concise, qui était déjà déterminée par Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc là, Allah Azza wa Jalla est en train de dire à cet être humain, donc c'est moi quelque part qui oriente ta destinée, c'est moi qui oriente ton développement et ce que tu vas faire sur cette terre. Min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassara. Donc là vous voyez thumma, l'adverbe qui signifie une succession progressive. Ensuite, il lui facilite le chemin. Comment Allah nous a facilité le chemin? On peut le comprendre de différentes manières. Il nous a facilité le chemin puisqu'il nous a donné une force physique, il nous a donné une force mentale, il nous a donné une volonté. Et c'est à travers ces outils-là qu'il nous a donné que nous sommes en train d'évoluer. Lorsqu'on a commencé, on a commencé des incapables, comme des êtres incapables. Un enfant qui sort du ventre de sa mère, il n'a aucune capacité, ni savoir, ni capacité de voir, ni capacité de comprendre, ni de capacité de marcher, ni capacité de décider, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, Allah Azza wa Jalla a mis en lui, d'une manière intrinsèque, des capacités, des outils qui vont lui permettre justement d'agir selon une certaine volonté, bien entendu, limitée par la volonté de Dieu. Notre volonté, elle est limitée par la volonté de Dieu. On ne peut pas faire ce qu'on veut de notre vie ou de notre corps ou de notre voix et ainsi de suite. Donc Allah Azza wa Jalla lui a facilité par ces outils-là. On peut le comprendre dans ce sens-là. Comment on peut le prendre si on revient, le comprendre si on revient à la sourate où Allah Azza wa Jalla dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Donc si on veut parler ici de taysir, dans le choix de la guidance ou de l'égarement, oui, Allah Azza wa Jalla te facilite. Lorsque tu choisis la voie de la guidance, Dieu de Allah Azza wa Jalla te la facilite. Lorsque tu choisis la voie de l'égarement, il te la facilite.
Hein? Donc il te facilite les deux chemins. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. On l'a guidé dans les deux chemins. Donc ثُمَّ السَّبِيلِ, ça veut dire le chemin. سَبِيلِ, c'est le chemin. ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ. Donc celui qui donne, أَمَّمَنْ أَعْطَى, et qui craint Allah, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, et déclare véridique la plus belle récompense. Alors on a déjà parlé de que le husna, ça veut dire beaucoup de choses, donc vous revenez au cours relatif à cette sourate. Nous faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. C'est que donc quelle sourate ça? Amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna. Ensuite, il lui donne la mort et le met au tombeau. Alors, thumma amatahu, donc, d'abord il yassara, donc il lui a facilité son chemin. Thumma amata, ensuite il lui a donné la mort. Quelque part, il a mis chez lui les moyens et les outils pour qu'il puisse évoluer, décider, marcher comme il veut, parler comme il veut, choisir comme il veut. Et ensuite, il lui a mis fin à ces outils-là, à ces capacités-là. Amatahu, ça veut dire il lui a mis fin à ces capacités-là. Il a vu qu'à un certain moment, ensuite, il lui a donné la mort. Et la mort, c'est mettre fin à ta capacité d'agir, donc d'avis, ou bien à ton autodépendance, c'est-à-dire tu dépends de toi-même. Donc là, quelque part, Allah Azza wa Jal, c'est comme s'il t'enlève la prise du courant. Comme une machine, on lui lève la prise et ne peut rien faire. Donc il a dit, ثُمَّ أَمَاتَهُ. Donc il a mis fin. Donc il est en train de lui dire, c'est lui qui t'a fait tout cela. Et il est capable de refaire exactement la même chose. Et depuis le début. Après la mort, il peut te ressusciter encore une deuxième fois. ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ. Et là, on voit que Amatahu, elle vient ici en opposition à Khalaqa. Min ayi shay'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu. Donc Amatahu vient en opposition à Khalaqa. Thumma akbara. Thumma Amatahu fa akbara. Et akbara, elle vient en opposition. Thumma sabila yassara. Parce que sabila yassara, il lui a facilité le chemin dans cette vie. D'accord? Le chemin sur sa terre, de faire ce qu'il veut sur sa terre. Mais lorsqu'il dit Akbara, c'est-à-dire là tu ne peux plus cheminer sur sa terre, je vais te mettre dedans, Akbara, je vais te mettre à l'intérieur de la terre. Tu ne peux plus cheminer dessus comme tu veux, et décider dessus comme tu veux, et t'orienter dessus comme tu veux. Et donc c'est là où on voit que chaque terme vient en opposition à un autre. Thumma idha sha'a, thumma yassara, qu'est-ce que je dis? Donc fa'akbarahu, donc ça c'est la conséquence de la mort. Akbara. Dans l'arabe on trouve akbara et on trouve qabara. Akbara wa qabara. Qabara, ça veut dire il l'a inhumé, il l'a enterré. Qabara shay'a, ça veut dire il l'a inhumé ou bien il l'a enterré. D'accord? Et là Allah Azza wa Jalla dit, il n'a pas dit amatahu fa qabara, mais il a dit amatahu fa Akbara. Et Akbara est différent de Qabara. Akbara se dit de quelqu'un qui a préparé une tombe. Lorsque quelqu'un prépare une tombe, on dit Akbara. Il a préparé sa tombe, la tombe à quelqu'un d'autre. C'est préparer une tombe. Ou bien on dit Akbara Fulanun Fulanan. Ça veut dire il a donné l'ordre de l'enterrer. Akbartuhu, ça veut dire j'ai donné l'ordre de l'enterrer. Qabartuhu, je l'ai enterré. D'accord? Donc ici, lorsque Allah Azza wa Jalla a dit Akbarahu, ça veut dire j'ai donné l'ordre, je l'ai orienté, parce qu'on est dans l'orientation, je l'ai orienté pour qu'il soit enterré. Et ceci fait référence à quoi? Ça fait référence à l'histoire de Qabil et Habil. Lorsque Qabil, Caïn, a tué son frère Habil, il ne savait pas quoi faire du corps. Et c'est là où Allah Azza wa Jalla fait Allah ghuraban yabhathu. Allah Azza wa Jalla a envoyé un corbeau qui allait montrer à Caïn comment enterrer le corps de son frère.
D'accord ? Donc c'est à cela que ça fait référence. Akbara, il lui a appris comment où mettre le corps après qu'il soit mort, pour qu'il ne soit ni incinéré, ni laissé à l'abandon aux charognards. Et c'est comme ça justement, et ça, à partir de là, les savants, ils disent, donc le fait d'inhumer un mort, c'est une obligation religieuse. Et toutes les religions vont dans ce sens-là. Mais malheureusement, l'être humain, celui qui ne croit pas aux religions, notamment des monothéistes, qu'est-ce qu'il fait ? Donc c'est là où on trouve les pratiques de l'incinération, d'accord ? Et c'est quelque chose qui est devenu à la mode, même dans nos sociétés malheureusement, enfin, je ne parle pas de sociétés musulmanes, mais sociétés non musulmanes, même celles qui étaient chrétiennes ou juives, quelque chose comme ça, ce qui montre un éloignement des directives des textes et des directives des religions. C'est comme si on pense que ça y est, une fois on va l'incinérer, il n'y aura plus rien, ou là, il est tranquille à jamais. Du tout. La raison veut que tu as été créé de la terre, tu reviens à la terre. Et même si tu es incinéré, restera de toi quelques cendres, d'accord ? À partir desquelles tu vas être ressuscité. Tu ne peux pas détruire un être humain définitivement, de sorte qu'il ne reste rien de son corps. C'est impossible. C'est impossible. Et ça, c'est un défi que Allah lance à l'être humain. C'est parce que restera de toi ce de quoi tu vas être ressuscité. Ensuite, ou bien puis, il le ressuscitera quand il voudra. Verset 22. Donc regardez ici, Allah Azza wa Jalla dit thumma idha sha'a. Il n'a pas dit thumma in sha'a anshara. S'il a dit in sha'a, ça veut dire s'il veut, il le ressuscitera. Mais s'il ne veut pas, il ne le ressuscitera pas. Ici, ça revient à Allah Azza wa Jalla. Mais lorsque lui, il a dit thumma idha sha'a, ça veut dire lorsqu'il le voudra, il le ressuscitera. Et il y a une nuance entre s'il voudra, ça veut dire il peut le vouloir ou pas le vouloir. Mais lorsqu'il dit idha sha'a, ça veut dire qu'il va le vouloir et il va être ressuscité. Mais quand Allah Azza wa Jalla le décide. Et ce verset montre justement que la date de la résurrection, la date de la fin du monde et de la résurrection, elle n'est connue par personne, si ce n'est par Allah tabaraka wa ta'ala. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهى. Son affaire revient exclusivement à Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça qu'il dit ici ثم إذا شاء, lorsqu'il voudra, il le ressuscitera. Et ça, pourquoi il le dit ça? Parce que justement les Qurayshites, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur parlait de la résurrection, et il leur parlait aussi du châtiment, que Dieu risque de leur faire tomber un châtiment, eux ils disent dis-lui de faire descendre le châtiment. Il te demande de subir le châtiment tout de suite. Allah Azza wa Jalla leur dit non, je le fais quand je décide. La résurrection, je la déciderai quand je veux. Quand j'aurai terminé ce que j'ai programmé. J'ai programmé une vie, j'ai programmé combien vous allez vivre, j'ai programmé comment vous allez évoluer, les guerres qu'il va y avoir, tout ça. Ça ne veut pas dire programmé dans le sens où il nous a obligés de les faire, dans le sens où Allah Azza wa Jalla a su comment les choses vont se faire. Et là, c'est l'omniscience qui intervient, non pas la volonté. Il y a une différence entre l'omniscience et la volonté. La volonté, c'est que Allah Azza wa Jalla agit. D'accord ? L'omniscience, Allah Azza wa Jalla, il détecte ce que tu as fait ou ce que tu vas faire dans l'avenir. Sauf que ce qu'il va détecter de ce que tu vas faire arrive comme ça va se faire. C'est ça le qadi dial qada. Al-ilmu sifatun kashifa wa laysat sifatan mu'athira. L'omniscience est un attribut qui reflète et non pas un attribut qui agit. Lorsque tu te mets devant un miroir, le miroir reflète ce que tu es. Tu peux jamais regarder un miroir et le gifler, tu dis mais tu me montres moche. C'est toi qui es moche, le problème n'est pas dans le miroir. D'accord ? Donc voilà, le miroir, il reflète. Ilmullah tabaraka wa ta'ala reflète ce que nous allons faire sur terre. Sauf que Ilmullah azza wa jalla, il n'est pas tributaire du temps. Parce que c'est Allah azza wa jalla qui a créé le temps. Il n'attend pas qu'on fasse quelque chose pour le savoir. Il sait ce qu'on va faire avant qu'on le fasse. Mais est-ce que c'est lui qui agit sur ce qu'on va faire ? Il peut agir quand il le veut. Mais il nous donne une liberté, il nous donne un choix au départ, et après il peut agir avec l'effet facilitateur.
facilitateur dans le bon, dans le droit chemin ou facilitateur dans le mauvais chemin. Mais le premier geste, ça vient de toi. La première décision, ça vient, le kasb, ça vient de toi. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla te facilite ou te rend compliqué la chose. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Pour ne pas trouver ça comme une excuse devant Dieu et dire, ben c'est toi, c'est la fatalité, c'est toi qui nous as imposé ça. On n'avait pas le libre arbitre. J'étais mécréant parce que j'avais pas le choix, c'est toi qui m'as imposé ça. Il faut distinguer dans le qada ou le qadar, il faut faire vraiment très attention aux termes qu'on utilise. Thumma idha sha'a anshara. An-nashru, c'est le fait de sortir quelque chose qui était caché. Nashara shay'a, ça veut dire il l'a sorti de là où il était caché. Lorsqu'on dit par exemple Nashara al-kitab, Nashara al-kitab, c'est-à-dire il a ouvert le kitab afin qu'on lise ce qu'il y a dedans. Wa idha as-suhufu nushirat, ça veut dire lorsque les livres seront ouverts pour qu'on voit ce qu'il y a dedans. C'était fermé, caché, et maintenant ça a été ouvert pour qu'on voit ce qu'il y a dedans. On dit Nashara al-thawba, là ça nous dit hadith Darija, dans le dialecte maghrébin, on dit Nashara al-hwaij. On va, après avoir lavé les vêtements, ça veut dire on va les étaler. Normalement, Nashara al-thawba, ça veut dire il l'a repassé pour qu'il n'y ait plus de plis. Ça veut dire si on veut parler l'arabe littéraire, c'est Nashara al-thawba, ça veut dire il l'a repassé pour qu'il n'y ait plus de plis sur al-thawba. D'accord? Donc pour l'effacer. Mais ici, bien entendu, thumma idha sha'a anshara. Il n'a pas dit thumma idha sha'a anashara. Donc il y a une différence entre nashara, c'est ce que je viens de dire, et anshara. Anshara, c'est un terme qui veut exclusivement dire ressusciter à partir de la mort. Quelqu'un qui était mort. Le faire sortir de la tombe. C'est un terme en arabe qui s'utilise exclusivement pour la résurrection. Anshara shay'a ou anshara fulana, ça veut dire il l'a ressuscité. Nashara, c'est autre chose. Donc faites la distinction entre nashara et anshara. C'est pour cela qu'on trouve le grand poète arabe Al-A'sha. Il disait, il parlait d'une femme, de la beauté d'une femme et tout ça. Parce que c'est ce qu'il est. Les Arabes, lorsqu'ils utilisaient à l'époque anshara, moi, ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Mais ce terme existait chez eux. Mais ils l'utilisaient. Yannif al-Khayal, l'utiliser dans ce qui est imaginaire. Et tu le trouves toujours dans les poésies, dans ce qui est imaginaire. Et Asha, il disait ceci, il disait, en parlant d'une femme, لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابري حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر. Donc il dit, cette femme est tellement belle, il va décrire cette femme, comment elle est son corps et tout ça, bref, c'est pas le but de. Et il dit, au point, cette femme elle est tellement belle et tout ça, au point que si elle fait pencher un mort sur sa poitrine, si elle fait pencher la tête d'un mort sur sa poitrine, il vivra, il ne sera pas transporté dans les tombes, dans le tombeau. Ça y est, il mourra pas. D'accord? Jusqu'à ce que les gens disent de ce qu'ils ont vu, qu'il est étonnant le mort ressuscité. Ya ajab lil mayyit nashiri. Lil mayyit, alladhi. Donc vous voyez, il l'utilisait pas pour le dollar, il l'utilisait seulement dans l'imaginaire de ce qui est terrestre. Mais après, Allah Azza wa Jalla, parce que ce qui prouve déjà que ce terme existait, ça veut dire que les Arabes savaient ce que c'est que la résurrection. Il existait depuis fort longtemps qu'il y a la résurrection le jour du jugement. Sauf que eux, donc, comme ils n'ont pas voulu croire à cela, pour justement se permettre de s'égarer, se permettre de commettre et ni les pires exactions, ainsi de suite. De toute façon, on ne va pas être jugé. Ce ne sont que des utérus qui poussent et une terre qui avale. Pour eux, donc pour eux, il n'y a pas de résurrection, donc je n'ai pas à rendre compte plus tard. Donc c'est pour cela que l'Allah a dit Anshara, il n'a pas dit Nashara. Nashara, il le dit plutôt pour Suhuf. Kalla lamma yaqdi ma amara. Eh bien non, les traductions que vous allez trouver, l'homme n'accomplit pas ce qu'il lui commande. L'homme n'accomplit pas ce que Dieu lui commande. Ça, c'est la traduction. Mais la traduction est mauvaise parce qu'elle ne reflète qu'une partie des significations qu'on peut donner à ce verset.
Et c'est pour cela que les savants ont dit que ce verset-là fait partie des versets qui a suscité le plus de divergences entre les savants pour comprendre réellement son sens. Donc il y a une grande divergence dessus. Alors la majorité a dit que ce que les traducteurs ont donc écrit, c'est que l'homme, kalla, donc harfu zajrin warada. Donc on a dit c'est un adverbe de réprimande. Donc la majorité dit que l'homme n'accomplit pas ce que Dieu lui commande. Kalla lamma yaqdi ma amara, cet homme-là n'accomplit pas ce que Dieu lui commande. Il lui commande de réfléchir, il lui commande de méditer, il lui commande d'adorer Dieu, il lui commande de suivre le prophète, mais cet homme ne veut pas le faire. Donc kalla, donc c'est une réprimande à cet homme-là qui ne veut pas suivre ce qu'Allah Azza wa Jal lui commande de faire. Ça c'est l'avis par exemple de Mujahid qui a dit « Personne n'accomplit le droit de Dieu sur lui comme il se doit. » Tu as un devoir envers Allah Azza wa Jal. Dieu a un droit sur toi. Et personne n'accomplit ce droit envers Dieu comme il se doit. C'est ça la signification de ce verset selon l'imam Mujahid. Autrement dit, si l'être humain œuvre toute sa vie pour reconnaître la bienfaisance d'Allah Azza wa Jal, il n'arrivera pas à le faire comme il se doit. Ça veut dire jamais il n'arrivera à le faire. Lamma yaqdi ma amara. Il t'a ordonné d'être reconnaissant vis-à-vis de lui, jamais tu n'arriveras à être reconnaissant comme il se doit. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Comme ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur, donc ils ne peuvent pas être reconnaissants vis-à-vis de lui à sa juste valeur. Et ceci bien entendu nous fait rappeler le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لن يدخل أحدكم عمله الجنة أو لن يدخل أحدكم بعمله الجنة. Les deux sont corrects. Personne n'entrera au paradis grâce à ses œuvres. Aucun ne sera entré au paradis par ses œuvres. Donc quoi que tu fasses, c'est pas ça qui va te faire rentrer au paradis parce que c'est la grâce d'Allah Azza wa Jal et pas autre chose. Ibn Kathir, rahimahullah, il dit ceci justement. Il dit certains ont donné cette signification. Mais lui, il dit, et personne ne m'a précédé à un autre sens de ce verset-là. Et Ibn Kathir était le premier qui a donné ce sens que je vais vous dire. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé, pour revenir au début de l'histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonçait aux polythéistes l'existence de la résurrection. Ces derniers se moquaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, pourquoi comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi cette résurrection, bien cette fin du monde et la résurrection ne vient-elle pas maintenant? Nous, on ne veut pas suivre Dieu, donc qui dit lui de nous ressusciter tout de suite, de nous faire mourir tout de suite et de nous ressusciter tout de suite. Et là, Allah Azza wa Jal leur répond, Kalla lamma yaqdi ma amara. Kalla lamma yaqdi. Yaqdi, c'est un verbe. Quel est le sujet ici? Dans la première signification, qui est le sujet? Kalla lamma yaqdi ma amara. Ah, dans la première, lamma yaqdi, le verbe c'est yaqdi, le sujet c'est l'être humain. L'être humain n'a pas encore accompli ma amarahu, ce que Allah lui a demandé de faire. D'accord? Donc le sujet c'est l'être humain et le pronom qui est cité à la fin du verset revient à Allah Azza wa Jalla. Ici, ce que dit Ibn Kathir, lui il dit kalla lamma yaqdi. Qui est le sujet ici? C'est Dieu. Dieu n'a pas accompli encore ma amara, ce qu'il a ordonné. Le pronom ma amarahu, le pronom revient à qui? Il revient à Dieu. Dieu n'a pas accompli ce qu'il a ordonné. Ça veut dire Allah a ordonné un destin. Et ce destin va aller jusqu'à ce terme-là. Et vous venez pour dire, on veut tout de suite Allah, ramène la résurrection tout de suite, la fin du monde et la résurrection tout de suite. Allah dit qu'elle l'a. Lamma yaqdi, Allah n'a pas encore accompli ce qu'il a déjà décrété, hein, ce qu'il a déjà destiné. Une fois ça sera terminé, là la résurrection viendra. Vous voyez ce sens-là? Et ça, il n'y a que Ibn Kathir, rahimahullah, qui a donné cette explication. Personne ne l'a précédé à cette explication, à ce sens-là. Et qui est bien entendu aussi correct. Il y a un autre sens qui a été donné par l'imam Razi. Comme vous savez, l'imam Razi fait partie de l'Ash'a'ira. Et lui, il le rapporte sur Ibn Furak. Ouad Ibn Furak est considéré comme parmi les têtes de l'Ash'a'ir.
Alors bien entendu, beaucoup le critiquent, ceux qui sont contre l'Ash'ari et ainsi de suite. Et c'est là où on aime toujours Imam Zahabi rahimahullah. Lui-même, s'il était contre l'Ash'ari, mais lorsqu'il rapportait dans Siyar A'lam Nubala la biographie des savants, il était correct, il était juste, hein, et il était impartial. Même s'il n'est pas d'accord avec eux, mais lorsqu'il parle de par exemple, de Ibn Furak, il vante son mérite. Il dit l'imam, l'allama, le grand savant. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, là, tu trouves quelqu'un qui, à peine, il a découvert l'islam, un livre, deux livres, et il commence à. Ah, t'as comme ça un savant, Mubtadi, il n'a rien à voir avec l'islam, il ne connaît rien, ainsi de suite. Regardez, Zahabi, il fait partie du Coran de Al-Hadith. D'accord? Il fait partie du Coran de Al-Hadith. Et il parle parfois des gens avec qui il n'est pas d'accord, en l'occurrence par exemple l'Ash'ari, mais il parle à leur juste valeur. Il dit voilà, c'est des grands savants, ceux-ci, ceux-là, croient, ils ont de la piété, de le savoir, ainsi de suite. Après il dit, ils avaient des pensées sur ce point-là, avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et c'est comme ça que doit être normalement le musulman, il doit être monsef. Alors donc, Ibn Fura, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il dit... كلا لما يقضي ما أمر. C'est que Dieu n'a pas décrété. لما يقضي, c'est Dieu. Dieu n'a pas décrété à ce négateur de faire ce qu'il lui a ordonné de faire. Ceci va rejoindre ce qu'on a déjà vu la dernière fois, lorsque Allah dans sourate Takwir, Shamsu Kuwirat, à la fin de la sourate, Allah عز وجل a dit لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Pour quiconque d'entre vous qui veut suivre le droit chemin, mais vous ne pouvez pas vouloir si Allah ne veut pas, lui le Seigneur de l'univers. Ça veut dire que ces négateurs qui, et là ça fait référence, selon Ibn Furak, ça fait référence aux négateurs à qui prophète Sarasmi parlait. Hado, Allah je lui dis, tu perds ton temps avec eux parce que j'ai décrété pour eux qu'ils vont aller en enfer avec tout ce qu'ils ont fait. C'est décidé. D'accord? Et donc, ils ne pourront pas changer de destination. Ils ne peuvent pas changer leur chemin, ça y est, tracé. De par le choix qu'ils ont fait au départ, de par leur égarement, de par le mal qu'ils ont fait, ça y est, ils veulent le mal, ça y est, je leur trace le chemin vers le Jahannam, l'ayyadu billah. C'est fini pour eux. Donc, ce que j'ai ordonné pour eux d'aller dans ce chemin-là, ils ne peuvent pas changer. Il ne peut pas avoir une volonté qui diffère de ma volonté de les avoir condamnés à l'enfer. Et ça, c'est comme l'exemple de Abu Lahab. Allah Azza wa Jalla, en parlant de Abu Lahab, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il dit, Sayasla naran dhata lahab. Il subira un feu, lui et sa femme. C'est décidé. Et certains ont dit, ça, c'est-à-dire cette annonce-là, il prouve le caractère miraculeux du Coran. Parce que Abu Lahab et sa femme avaient la capacité de montrer que le Coran, ils avaient la capacité de défier Dieu et de dire, ben, on va devenir musulmans. Dieu a dit, ils iront en enfer. Abu Lahab et sa femme, ils auraient pu dire, pour se moquer du prophète, eh ben, on va faire semblant d'être des musulmans pour montrer à tout le monde que le Seigneur de Mohammed a menti. Lui, il a dit, on va aller en enfer. Eh ben, maintenant, on est devenu musulmans. Donc, on va contredire ce qu'il a dit. Ils n'ont pas pu faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? De leur vivant, il leur a dit, vous allez en enfer. Ça veut dire, vous allez mourir mécréants. Et c'est ainsi qu'ils sont morts. Et c'est exactement ça le sens. C'est que cet homme-là, ça, j'ai décrété, ces gens-là, ces négateurs, parce que c'était les grands notables de Quraysh qui ont fait beaucoup de mal aux musulmans. J'ai décrété pour eux l'enfer, vu ce qu'ils ont fait. Donc, لَمَّا يَقْدِمَا أَمَرَا. Il est ce que je lui ai ordonné. Il ne pourra pas le contredire. Il ne pourra pas le contredire, il va aller à un sens contraire. C'est ça le sens qu'a donné Ibn Furak. Certains l'ont critiqué pour dire, oui, là c'est comme si tu donnes une excuse à celui qui a mécru. C'est comme si tu dis qu'il est dans la fatalité, qu'il n'avait pas le libre choix. Dieu lui a ordonné d'être non-croyant et c'est ainsi qu'il est devenu. Alors que non, c'est comme on a dit, toujours yel kasb, c'est que la personne a opté pour le choix du mal, d'accord, et Allah Azza wa Jal va le mener dans ce chemin-là. Parce qu'il a choisi ce chemin là, je vais lui le faciliter. Mais c'est lui le responsable. Il ne pourra pas s'excuser auprès de Dieu, de lui dire c'est toi qui m'as égaré, c'est toi qui as choisi ce chemin là. D'accord? Tu viens par exemple dans un bar, ou tu ouvres la porte de bar, tu rentres dans le bar, on te dit bienvenue, sois le bienvenu, assis-toi.
Et en sortant du bar, tu dis, c'est toi qui m'as fait asseoir dans le bar. Mais c'est toi qui as toqué à la porte, tu es venu de tes pieds. Donc tu es venu, je t'ai facilité la suite de ce pourquoi tu es venu. Tu ne peux pas dire donner la responsabilité à celui qui t'a accueilli. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le verset. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour qu'on laisse pour la prochaine fois le reste de la sourate. Mais en tout état de cause, donc ce dernier verset, donc vous voyez comment il y a eu une divergence entre les savants. Et comme il y a un sujet qui n'a pas été cité, le sujet du verbe yaqdi, et il y a un pronom, un amarahu, un pronom, et on ne sait pas vers qui ça revient, c'est ce qui a fait que les savants ont beaucoup divergé sur ce dernier verset. Sallallahu tabaraka wa ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana 'ilma. إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.